Allez, c'est parti pour le Longines Equestrian Challenge Normandie avec les cavaliers de CSO qui sont en selle dans une course qui va être emmenée par Pierre Bazir. Et on va retrouver rapidement Asti Nicolas dans son sillage, lui qui porte cette toque bleue, qui est accompagné à la corde par Patrice Delaveau. Toque orange qui vient à la corde également en troisième position, alors qu'en quatrième position, il y a Thierry Rosier avec cette toque jaune qui est là. On retrouve également Margot Roquet qui, kazakh turquoise, se rapproche également à l'intérieur, avec le numéro 1 Pedro Junquera Mulianer qui vient maintenant complètement en dehors se placer en troisième position. Pour l'instant, deux concurrents ont un peu de mal à suivre, notamment Camille Condé-Ferreira qui est en avant-dernière position, et puis Edouard Lévy qui ferme la marche cet instant. Les cavaliers qui viennent maintenant à l'extérieur du leader, avec toujours Pedro Junquera Muller qui poursuit son effort en dehors et qui vient à l'extérieur de Astier Nicolas, avec également Patrice Delaveau maintenant qui met la pression au premier. Patrice Delaveau qui décide d'avancer à l'instant. Patrice Delaveau qui a pris le meilleur avec Astier Nicolas qui est à son extérieur en deuxième position. Et puis également Margot Roquette, bleu clair, qui essaie de se rapprocher en dehors. Mais pour le moment, ça va très bien en tête pour Patrice Delaveau qui se permet de se retourner à l'instant. Patrice Delaveau qui a très l'avantage nettement maintenant sur Astier Nicolas qui est en deuxième position. Et Margot Roquette qui vient en troisième position. Les autres maintenant viennent beaucoup plus loin. Patrice Delaveau qui très facilement a le meilleur à 50 mètres du poteau. Patrice Delaveau qui va garder l'avantage jusqu'au bout. Patrice Delaveau qui va triompher ici. Patrice Delaveau qui s'impose. La deuxième place pour Astier Nicolas et la troisième place pour Margot Roquet. Et la victoire donc pour Patrice Delaveau dans cette course réservée aux cavaliers de CSO, qui a contrôlé pendant toute la ligne droite. Vous avez apprécié ce que vous avez vu, Dominique ? Ça correspond à ce que vous attendiez, plus ou moins ? Oui, puis j'ai surtout vu la joie de Patrice Delaveau. Au passage du poteau. Le gars est champion du monde. Et la déception d'Astier Nicolas. Oui. Qui est deuxième. C'est une très belle image, là. Ouais, deuxième Astier Nicolas. Donc troisième, c'est Margot Roquet. Hein, je vous ai dit qu'elle est capable d'aller vite, Margot. Quatrième, Camille Condé-Ferreira. Quatrième. Et peut-être cinquième, Edouard Lévy qui est venu shipper cette place. Non, c'est ça, qui est cinquième puisque c'est le leader qui était à l'intérieur. Ouais, il me faut...